Bon, bah, les gars, je sais pas si vous êtes à nouveau là. Ouais, D'accord. L'extension ne fonctionne pas et le, le téléphone là il bug totalement. Enfin, c'est vraiment la grosse merde ce truc là. Je suis sûr qu'il va me laisser un petit en plus. Ouais, heureusement que non. Heureusement que non. Mais enfin, on s'en fout. Euh, du coup, là, bah, je vois pas pour l'instant. Enfin, j'ai pas de retour. Euh, j'ai activé ma tablette pour vérifier vos messages. Du coup, ça marche, petit bug de PC, sûrement de pro... enfin, de plugin USB, ou je sais pas, enfin c'est vraiment la merde. Mais du coup voilà, on revient sur ce qu'on disait, ça me fait un peu chier quand même parce que en gros j'ai perdu 20 minutes à avoir fait une petite truc euh, au début, pour qu'à la fin ça ne marche même pas. D'ailleurs c'est comme là au final, je sais, pourquoi, euh... hmm je sais pas pourquoi. Il y a un écran de merde. Je sais pas pourquoi il y a un écran de merde qui enlevé, c'est mieux comme ça. Donc on tourne sur les 60 fps, euh, ouais, enfin à peu près, à peu près, bon, bon c'est pas grave. En tout cas, du coup, Jason, euh, raconte-moi un peu euh, pourquoi euh, ils t'ont supprimé ton contrat. Du euh, coup, tu peux plus supporter de charge physique, ok, je sais, par rapport à tes problèmes de santé et tout, mais comment ça se fait, genre euh, bah, genre ils t'ont supprimé ton contrat, t'as fait combien de temps Parce que du coup, c'est vrai qu'on s'est pas parlé depuis un ah, bail, comme tu dis, euh, ça date de ouf. Donc voilà. Dis-moi tout. Oh, je m'installe tranquillement, bah ben, oui d'ailleurs je fais ça et mon chat il vient. C'est magnifique. Tu veux passer à la caméra hum Ouais, tu veux passer à la caméra, enculé hein Ouais, je vais te montrer aux gens, mon au pédé. Je vais te montrer aux gens. Viens, tu vas devenir la nouvelle star du net. Hein La nouvelle star du net. Dis bonjour à la caméra, Mimi. Dis bonjour à la caméra. Allez, oui, oui, oui. Regarde là-bas. Regarde là-bas, enculé. Pédé, pédé chat. Oh. Du coup, Jason et Fusil, vous êtes là à nouveau ou je pars dans le vide? J'avoue que ça intéressé de savoir si vous êtes là. Là, je peux enfin avoir un nouveau message, donc je sais pas si. Euh... Je sais pas si du coup. Euh... Bah, je t'ai pas demandé de te frotter, PD. Hein Reste tranquille là. va dormir à nouveau. Je sais pas si vous êtes à nouveau là ou pas, mais ça me ferait chier quand même de voir faire un live là en parlant dans le vide. En plus, le micro activé, tout est là, tout est bon. Euh, du coup, du coup, je sais pas si je peux entre guillemets voir euh, par rapport à ça, si du coup vous êtes en truc. Les gars, êtes-vous là, les gars? La qualité d'image du truc c'est horrible, euh... ouais, <laughs> ouais, ouais. Donc, du coup, ma bah, fusil, euh... bah, pareil. Je pense que j'ai dû parler pendant un petit moment et vous avez pas entendu ce que j'ai dit. Euh, du coup, je disais qu'au final, euh... ouais, dans c'est ma tablette qui bug, ça c'est normal. Euh, je disais qu'au final, bah, du coup, il y a quand même des images perdues, hein. d'accord, à savoir. Comment ça se fait, Jason, que tu t'es fait, euh, entre guillemets, euh, supprimer ton contrat Genre, euh, tu, tu m'as dit que tu ne peux plus supporter de charges lourdes, ça j'ai bien compris, mais. Euh, par rapport à tes problèmes de santé, je présume, mais comment ça se fait, genre, qui t'ont qu viré C'est quoi cette histoire hein Raconte-moi tout. Et fusil, du coup, bah, pour revenir sur les stats du match Marseille-Montpellier, bah, comme tu peux voir, voilà, sur le, le petit truc euh, que j'ai. Enfin, bah, c'est mon téléphone, et en gros, j'ai récupéré le fou vidéo de mon téléphone, mais voilà, sur la petite application. Bien, ça patoche. Euh, sur mon iPhone, re, re, re. Bah, du coup, je sais pas si Jason t'a entendu ce que j'ai dit, mais euh, justement, je te demandais pourquoi est-ce que... Bah, je me répète 3-4 fois, mais au moins, je suis sûr que tu m'as entendu et que ça fonctionne. Euh, comment ça se fait qu'ils bah, qu t'ont supprimé ton contrat Genre, euh, comme j'ai dit, par rapport à tes problèmes de santé, ça, je savais. Mais du coup, ils t'ont dégagé juste parce que tu peux pas supporter les charges physiques. Ils sont con, ils peuvent pas te mettre sur un poste adapté ou je sais pas quoi. Tu as été fait un mot médecin bah, à la rigueur, comme ça, au pire, euh, genre, il te sais pas. Tu peux pas les attaquer, mais tu vois, genre, faire un truc pour euh, licenciement abusif ou quelque chose comme ça. C'est une question, je sais pas. Bah, C'est bizarre tout ça. Et du coup, fut dit pour revenir sur ce qu'on disait par rapport au match euh, Marseille-Montpellier. Bah, après, voilà, Milik a marqué la 74e. Euh... Bah, Montpellier a marqué la 80e, et puis euh, au niveau des stats, euh, certes, on a la possession, bah, on a presque tout pour nous, euh, mis à part les arrêts hein, du gardien en face. Mais euh... franchement, moi, quand je regardais le match, euh, je trouvais pas qu'on avait une grosse domination parce que, comme tu dis, ok, on a un bon milieu, on a une bonne défense, et encore la défense, des fois, euh, un petit peu limite, il hein, faut faire attention. Surtout sur certains joueurs, mais euh, pareil, hein, tu dis que l'autre, ils s'en est pris quand même, là, euh, encore le gardien, euh, Paul Lopez, enfin moi, tout le monde de l'encens, tout le monde dit qu'il est bon, machin, truc et tout, alors peut-être Coquet. Okay, on va dire pour un club de seconde zone, c'est un très bon gardien, mais pour un club comme notre prestige à nous et notre standing, hein, quand tu t'appelles Olympique de Marseille, pour moi, tu dois avoir un gardien... Euh, Bon, on va peut-être pas abuser comme de la Roma, mais tu vois, au moins de la même trempe de genre de joueurs et de du, du niveau. là. Donc euh, Surtout quand tu as l'ambition de vouloir jouer la Ligue des Champions. À nouveau, je parle, là, parce qu'on va éviter de, de parler de la Ligue des Champions a 2-3 ans. là, C'était une montre phénoménale, mais voilà. Du coup, euh... bah, écoute, le match Montpellier-Marseille, comme je dis, on a GG, on est content. Après avoir, on est qualifié en quart. C'est une très, très bonne nouvelle. Ça, on va pas bouter, hein. on est on est heureux. Même si ça se voit pas forcément sur ma tête, euh, voilà quoi, le maillot il est quand même là-bas, hein. donc euh, en tant que vrai supporter... Euh... Alors, tu m'as dit, t'as été chez le médecin et elle t'a dit scoliose lombaire. J'ai exactement la même chose que toi. Euh, en fait, ouais, c'est en fait, quand tu te mets de profil comme ça, genre, t'as le dos qui fait... Euh... Je sais pas si je vais pouvoir essayer de te le faire au truc, mais en fait, t'as le dos qui est comme ça... Euh... Et puis en fait, ouais, t'as le dos qui fait ça, et t'as les jambes qui font exactement le sens inverse du coup. Ça fait un truc bizarre, non Être mmh. bûcheron. Ah ouais bah tu m'étonnes que porter du bois et tout, euh, ouais non mais c'est comme moi quand j'étais le BTP avec mon beau-frère il y a deux ans pendant les vacances, euh, laisse tomber quoi, c'est... T'es une dinguerie, hein euh, Et tu prends la pelle et tout, il fait chaud, enfin laisse tomber. Et là, là on va dire, ce que je fais, c'est un peu moins chiant, parce que du coup, c'est un peu conducteur de... Producteur de mini-pelle, tout ça, ou à la rigueur, tu vois, c'est prévu que je sois chauffeur de, ca... chauffeur de camion euh, à poids lourd, pas super poids lourd, mais poids lourd normal, genre pas missé. Camion Ben et tout pour, euh, entre guillemets, transporter de la terre ou des gras ou des trucs du style. Donc en vrai, euh, c'est clairement pas physique et c'est largement mieux. Hein. Franchement. Euh... Après, c'est dommage pour toi, parce que d'à côté, euh, bah, t'avais un bon boulot qui te plaisait bien, visiblement, et puis t'avais l'air d'être content en plus. Après, il doit sûrement y avoir euh, dans les Ardennes des, des métiers entre guillemets, un peu moins chiants et tout. Euh, Peut-être pas à faire comme ton père, tu vois, mais genre, admettons, je sais pas moi. Bah, euh, de tu vas me dire que non, parce que voilà, euh, la mentalité des gens, surtout de Blanik et tout, c'est un peu tendu, tu vois. Mais je veux dire, pareil, je pense que t'es pas spécialement envie de bosser sur ce nom. Mais il euh, y a moyen d'avoir des, sûrement des trucs, des postes et tout. Je vais juste regarder ce que mon chat fait, parce que. Tout encore d'autant qu'on en va faire des conneries, celui-là, je sais pas où il est, il est sûrement passé encore sous le lit. Juste que papy sur ma couette, ça m'arrangerait bien. Euh... Elle t'a dit que ça t'a dégoûté. Ouais, bah j'imagine. Bah après, euh... bah on va reparler des choses qui t'a dit il y a très longtemps. Mais je veux dire, la mission locale, quand t'étais, euh, entre guillemets, euh... t'avais fait, je crois que tu étais en bouche à Carrefour ou quelque chose comme ça. Ils ont posté une idée de revenu fixe. Euh... Mais genre, tu peux enfin vivre de ta chaîne Twitch ce serait bien, même quelques... Bah, pas, pas dire quelques euros, mais admettons même si as quelques centaines d'euros par, euh, par mois en plus. Euh, écoute, c'est quand même mieux que rien. Hein, ouais, t'étais où, toi, branleur Hein T'étais où, là Ouais. Oh, le patron a changé, du coup, ils t'ont pas gardé à, à Carrefour. De toute façon, c'est des cons. C'est pour ça que je te dis, vrai, moi, là j'ai changé de département, j'ai pas changé de région, parce que je suis toujours dans le Grand Est, je suis toujours dans la Lorraine. J'ai juste changé de département et franchement, bah pour l'instant, en vrai, on va dire, ça fait deux, 3 trois jours que je suis installé ici, donc euh, faut le temps que, que ça se fasse et tout, mais en vrai, c'est, on va dire pour, la ville où je suis là, Farbach, c'est on va dire un niveau entre ceux et Charleville entre les deux quoi, au niveau de la superficie et puis au niveau de, de la population. Euh, du coup le C.D.I m'est passé sous le nez, ouais bah tu dois être dég. Après moi, euh, bah, je parle de passionné, hein. je pense que toi c'est pareil. Tu fais pas ça pour rien. Je sais que ta chaîne Twitch elle marche bien. Moi j'aime bien ça aussi. Et franchement en vrai ça remonte le moral et tout d'avoir des gens qui te suivent ou tout ça. Et puis surtout des fois tu rencontres des gens, tu te fais des potes machin. Enfin euh... ouais. Tu, tu m'enverras le tweet sur Messenger euh, bah, quand tu veux. Hein. Parce que là, pour l'instant j'étais plutôt en live pour pas aller foutre, Après on peut parler comme ça. Moi ça me dérange pas de toute façon. Euh... Tant que je discute avec des gens, moi j'ai pas l'impression de parler comme un con dans le vide. D'ailleurs toi c'est pareil, je pense que quand tu joues tu es sur, euh, sur des gameplays de Forza ou quelque chose comme ça. D'ailleurs en parlant de Forza, euh... ok je veux que ça sourit, bon s'il veut. En parlant de Forza je pense que c'est pareil, je vais m'installer Warzone à nouveau parce que là je sais pas, pareil avec la Xbox il y a une mise à jour euh, que du coup tu peux plus mettre Warzone sur un disque dur. C'est bon, reste tranquille là, joue avec ta souris, casse pas les pieds. Non, 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 je suis en live, merde. C'est pas possible, arrête, arrête. Euh... Du coup, c'est ça, ces gens qui veulent apprendre sur toi et discuter, c'est mieux. Bah ben, clairement, en vrai, tu... tu peux quand tu peux développer une bonne commune. Bon, tu joues avec ta souris, là, je sais pas, genre fais quelque chose, allez, prends-la, mange-la, euh, joue avec. Euh, quand tu peux développer quelque chose, une petite communauté et tout, puis, euh, bah, du coup, on va dire, sur, enfin, sur des jeux, tu vois, genre, moi, je, en fait, là, le topo, bon, j'ai pas eu le temps de finaliser ça, parce que, du coup, pareil, hier soir, plein de trucs et tout, mais le topo, c'est que je me dis, je fais un live par jour. Sur la semaine, du coup, il y avait un live comme ce soir, euh, pour parler football ou, ou, ou sport ou autre chose, tout ce que tu veux, il euh, y a un live Fortnite, un live Rocket League, un live, peut-être Call of, pas, pas, pas tout de suite, mais peut-être, euh, un live FIFA, un live... Euh... Pas si vous l'entendez, des le trucs, mais il arrête pas de miauler, il est incroyable. C'est l'heure de la fièce, là, va dormir. Merde, c'est la nuit là, il y a que moi qui ai rester la vie. Alors, tu as repris Apex et Warzone. Ouais, j'ai vu que tu avais fait un live sur Warzone euh, hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. Euh... Ouais, 9 viewers d'un coup, c'est pas mal ça. Moi, ouais, on va dire, je tourne sur une quinzaine de viewers, tu vois, genre, mais pas directement sur le live, quoi. Genre, quelques jours après, j'ai une quinzaine de personnes, mais en même temps, voilà, avec 28 followers, au moins, tu as, enfin, as l'impression de pas faire ça pour rien, quoi. Après toi c'est bien, ça avance, ça progresse et tout. Puis comme tu dis, si jamais tu peux te permettre d'en vivre, euh, en vrai c'est pas mal parce que je regarde un. Bah, un... un streamer sur... sur YouTube, il fait des bonnes vidéos et tout, il explique comment faire ses trucs sur Twitch et franchement c'est vraiment pas bien. Hein. Mais merde, arrête, c'est bon, je t'ai déjà caressé aujourd'hui là Pff, Incroyable ce chat, incroyable, il faut qu'il fasse chier toujours. Euh, ouais, aujourd'hui, tu t'es fait insulter de cheater sur code. Eh, hey, Pas les pattes euh, comment ça se fait Cold War hein, d'ailleurs bah pareil pour revenir à ce que je te disais Cold War et Modern Warfare euh, je comptais clairement euh bah, du coup, les prendre, et puis là, pareil, je pense que j'aurais dès que j'aurai un peu plus d'argent ce mois-ci, le mois prochain, je pense que je me prendrai la carte d'extension enfin, en plus, parce que j'ai déjà un disque dur externe, un tera, mais je pense que je prendrai la carte d'extension pour pouvoir mettre Call of Duty, mettre Warzone, mettre euh, probablement des jeux bah, genre Forza et tout, pour jou pouvoir jouer avec toi et avec d'autres personnes et tout, puis euh, à voir ce que ça donne. Mais euh... en vrai, quand tu vois tout ce que le Game Pass propose, pareil, je voulais mettre euh, Fly Simulator, il est intéressant, Chut Désolé pour le bruit. Euh... Je voulais mettre Fly Simulator parce que déjà je l'aimais bien sur euh... Ok, je peux pas descendre ta mère. Oh chier, bah, je peux chie, pas cliquer sur le truc tant pis. Euh, Fly simulator parce que je bien sur PC mais euh, là je sais pas ce qui se passe. Ça bug un peu. Euh, alors en gros 31-13 et j'entends un français dire putain avec un dans l'autre équipe pour perdre la game. Ah! Bah d'accord, mais ils sont sacrément con. Comment ça, genre sur euh, série S, il pa passe pas? Vous voyez que normalement sur, euh, sur les deux, tu l'avais. Ah bon, après, ça me met potentiel. possible téléchargement et potentiel téléchargement, mais après, euh, j'ai pas assez de mémoire pour le mettre, donc du coup. Euh... Bon, Mimi, merde, t'es chiant! Arrête! Putain de chat! T'as de faire chier là! T'étais dans ton arbre à chat, je vais te mettre dans la cuisine moi! Allez, va jouer! Voilà, joue avec! Tu veux jouer? Et casse ses couilles là, Ouais, tu fais chier, hein! Allez, va la chercher ta souris! Ah là là, c'est sacré chat! Du coup, je sais pas si Fusil nous a à nouveau rejoint ou pas! Dis si t'es présent! Que je peux pas voir exactement sur ma tablette le nombre de spectateurs qui regardent. Bah, je sais qu'au moins Jason ils regardent, ça c'est sûr. Mais euh, voilà. Alors non, tu regarderas normalement, t'as le cadenas dessus, enfin moi ça le fait. Après, parce que du coup, moi j'ai pas pris la série. J'ai pas pris la l'Xbox One S, tu vois, j'ai pris la série S là. Alors après, je sais pas, du coup t'as changé de console ou t'as la même Du coup je comprends pas. Toi après c'est parce que du coup t'avais la version euh, la version précédente, moi j'ai pris directement la nouvelle génération, euh, je voulais une neuve comme je t'avais dit. Et du coup au final, bah ça m'a directement mis... Euh... Uh, tous les jeux auxquels je peux jouer, après, c'est uh, entre guillemets entre guillemets -gen, hein mais bon. Ah, ok, bon, bah c'est tout. Quoi. Il est parti, il est parti, il reviendra pas, mais bon. Enfin, c'est tout. Voilà, voilà. On va continuer notre petite conversation. Hein. Parce que du coup, bah, je voulais débriefer avec lui vite fait le... Ouais, t'as toujours la moinesse. Je vais débriefer vite fait bah, le match Marseille-Montpellier hier, mais bon, tant pis, ça se fera pas. Si ça fonctionne, ouais, on va pas, on va plutôt partir sur euh, du coup, bah aujourd'hui. Euh... D'ailleurs, toi qui es supporter du PSG, t as sûrement dû regarder des matchs. Enfin, je sais que t'aimes pas trop le foot, mais... Euh... c'était pas dimanche, et lundi. Coupe du monde, d'accord euh, Absolument pas. Qualification Amérique Nord. Donc, euh... <laughs> je sais que tu vas pas être content. Surtout que je sais que t'adores adores Paris, mais au final, Paris qui a perdu... Euh... Ça, ça va pas être possible, Je suis pas chez moi, on me casse les couilles, et au final, là, quand j'ai un putain de chat qui... Quand je fais mes lives, il vient me faire chier, c'est un truc de ouf ça Qu'est-ce qu'il y a Moi je vais te prendre ta souris, regarde Va la chercher là-bas, wesh T'es pas un chien quoi euh, Du coup, il disait qu'au final, bah pareil, hein. Paris, euh... Je sais pas si t'as gardé le match. Mais Paris, ce soir qui a perdu. Euh... Ah bah après, voilà, hein que n'importe qui dans son équipe serait content d'avoir Messi, Mbappé et puis Neymar. Hein. Peut-être même CR7 d'après ce qu'on a entendu parler. On sait pas si c'est vrai, si c'est une fake news ou pas, mais bon... J'ai envie de te dire, je pense que tu serais probablement content, hein. Mais au final, quand tu vois qu'après tu t'as plus de mieux, t'as plus de défense, et puis ok, t'as un bon gardien, mais bon voilà. C'est chaud. Et puis ce soir, ouais, comme ils disent sur l'équipe, je regarde la télé aussi en même temps, tu vois. Juste au-dessus du, du PC, franchement. Euh je pense que les gens qui ont regardé ce match se sont franchement fait chier. J'espère moi, demain, en pour l'Olympico, prendre beaucoup plus de plaisir que. Non mais c'est un truc de ouf. Prendre beaucoup plus de plaisir que, que sur ce match de soi. Hein. Franchement, je vais juste regarder un match de foot pour dire oh, Tu sais quoi, je regarde un match de foot parce que, en gros, ça fait un moment que j'ai pas vraiment regardé de série ou de, de trucs personnalisés. Et là, franchement, je regarde ça. Ah, tu dis 6 à 5 au tir au but, quoi. Bah, nous, hier, après, voilà, on a gagné 2-1, c'est pas plus non plus euh, plus ouf, quoi, mais bon. Euh, ouais, mais je trouve, ça fait trop, car ces joueurs foulent à montrer leur image du coup. Il est coup à mort devant, il n'y a pas de cohésion. Alors, ah bah, après, Mbappé, il veut se barrer du PSG, c'est pas pour rien. Hein. Et tu lui mets Messi dans l'équipe, tu lui mets Neymar, qui devait être potentiellement le successeur de Messi au ballon d'or, il le sera jamais. Mbappé, il veut se barrer, pourquoi Parce qu'au final, il veut, il veut avoir le ballon d'or, mais bon, qu'est-ce que tu veux est-ce qu'il l'aura, Est-ce qu'il l'aura pas Est-ce que en se barrant en, en, en réel ça ira mieux Ça franchement euh, Bonne question. Franchement bonne question. Du coup voilà. Hein. Au niveau des stats, bah je pense que voilà, les stats sont largement en faveur du PSG. Hein. Plus de tirs, trois tirs de plus, euh, presque 70% de position de la balle. C'est chaud quand même. Quand t'es pas capable de marquer un putain de but, là euh, j'entends tout à l'heure le, le discours de, de Kip Mb, euh, je sais pas si t'as regardé jusqu'à la fin du match. J'entends le discours de Kipembe qui dit ouais il nous a manqué le petit but, non mais frère, à un donné tu parles de réalisme, euh, sois un peu professionnel, Quand tu veux te barrer l'équipe au C, mais bon, euh, voilà quoi. Euh, tu te dis pas non pour voir un duo Benzema Mbappé. Bah écoute, si jamais en plus de ça, admettons, bah, pour le bien de l'équipe de France, si jamais tu peux admettons, euh, associer chez là et puis qu'ils aient une certaine sorte d'automatisme. Pour nous, entre guillemets français, on va pas le refuser, hein. Ça, c'est sûr. Euh... Ouais, par contre, quand même, plus de tirs cadrés du côté de Nice. Hein. En même temps, Nice sur deuxième mi-temps, je trouve qu'ils ont fait une belle, belle, belle deuxième mi-temps. Franchement, euh, ils ont bien joué. Tirs non cadrés, bah voilà. Après, c'est les stats, elles sont là, elles parlent. Hein. Quatre pour euh, le... Quatre tirs non cadrés pour le PSG, 1 pour Nice. Donc au final, quand quoi Nice a été plutôt enfin, pas réaliste parce qu'il y a pas eu de but, mais entre guillemets, un peu plus réaliste dans la surface, vu qu'il y a plus de tirs cadrés qu'à qu Paris. Euh, Tir bloqués 4-3, ouais. Donc au final, ils ont quand même tenté, mais bon, ils n'ont pas aussi à trouver la défense. Plus de corner, plus de coups francs. Les hors jeux du côté de Nice, je pense que surtout le PSG qui a bien joué les hors jeux. Le sauvetage du gardien, quand même ça, c'est la stat inquiétante, parce que quand tu dis que Donnarumma a fait plus de sauvetages que le gardien de Nice. Euh je sais même plus comment il s'appelle là. Envie de regarder ça. Euh, tout en haut. Buka, voilà. Martin Boulka. Euh, c'est quand même tendu quoi. Hein ça veut bien dire qu'il y a un problème quelque part. C'est pas ton attaque qui pêche, mais c'est clairement ta défense et ton milieu. Hein Bah, ouais, et encore, tu dis que Mbappé, au moins qu'il était parti sur le terrain en premier mi-temps, hein, parce que putain, je pense qu'il aurait gâché au pa aussi pas mal, hein, franchement. Quand tu vois ce qu'il a mis en deuxième mi-temps, moi, l'autre, t'as le tir au pison, oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, voilà, tu vois, je critique un peu, mais en vrai, euh, franchement, il y en a certains qui doivent se remettre euh, la tête sur les épaules et se remettre à bosser dur, hein, parce que franchement, là. Euh, même pour nous, l'équipe de France, euh, je sais pas ce que ça va donner pour l'instant, parce que si Mbappé joue comme ça, on est, on est pas bien, hein, franchement. Euh... Après, ok, ils ont pris plus de cartons du côté niçois. Et quand tu vois, eh, t'as l'impression que c'est l'ancien Barça. 733 passes pour Paris, 345, presque un peu plus de la moitié pour le pour Nice. L'autre, il a confisqué la balle, mais à la fin, t'es pas réaliste. Tu m'expliques la logique, là 86 attaques dangereuses à 22, t'as l'impression que c'est comme sur Rocket League, un film de cul machin. T'as je sais pas combien d'occases et à la fin les mecs te font un hold up. C'est un truc de ouf. Bon après là c'est pas. On peut pas dire de hold... enfin, on peut pas parler de hold up parce qu'en soit Nice t'as pas marqué, ça a été au tir au but. Et peut-être, je dis bien peut-être, si on y aurait eu l'ancien format de la Coupe de France avec les prolongations, tu sais, les deux fois 15 minutes là, ça aurait été différent, on j'ai envie de te dire. Euh... Ah bah en fait, aujourd'hui, sincèrement, toi qui es supporter parisien, aujourd'hui Paris a parlé des champions, qu'est-ce qu'ils ont à jouer tu me, tu, me, tu me dis qu'est-ce qu'ils ont joué Parce que franchement, euh... peut-être pas que je me mette trop couché comme ça, parce qu'après on voit plus la Ligue rouge. Qu'est-ce qu'ils ont joué À Paris des Champions, tu dis la Coupe de France. Ils l'ont dans le baba. Le championnat, ils sont premiers avec 10 points d'avance euh, sur Nice et Marseille, donc j'ai envie de te dire, pour moi, c'est déjà plié. Et euh, le trophée des Champions, ils l'ont perdu pareil contre, euh, contre Lille, je crois. Donc honnêtement, qu'est-ce qu'ils ont à jouer Et la Ligue des Champions, je me rappelle plus exactement contre quel adversaire ils vont jouer, mais. On va vite savoir, calendrier, le Real Madrid. Oui, le Real Madrid, qui est quand même euh, pas tenant du titre parce que voilà, mais qui a gagné trois Ligue des Champions les 7-8 dernières années là qui, qui, qui arrive. Donc j'ai envie de te dire, quand tu sais que t'as un choc comme ça, qui en plus de ça arrive bientôt, parce qu'en soit leur calendrier, t'as Lille à jouer le, le week-end prochain. Peut-être pas euh, voilà, mais oui, samedi ou dimanche prochain, le 6, je ne sais plus c'est exactement, mais voilà. Euh... Ensuite, ta qui est aussi un bon club européen, une bonne solidité offensive, même si au niveau du classement, ça se passe. Ah si, ils sont mais bon je veux dire voilà, tu vois, t'as une différence d'écart entre les deux équipes quand même. Hein. T'as... T'as... Ouais, 3, 4, 5, t'as presque 20. Presque 20 points, on doit être dans les 18 points, hein. je calcule de tête, je... peut-être que je dis une bêtise, mais voilà, t'as 18 points d'écart à peu près entre les deux. Et là du coup, bah... Après t'as le match de Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà, quoi, c'est... Bah, je sais pas. Il faut qu'ils se remettent en question, parce que sinon, ils vont prendre une volée contre le Real. Le Real, franchement, c'est pareil, en Ligue des Champions, c'est pas ouf ouf non plus. Hein. Euh... euh... Ah oui, bah ils perdent tout, bah c'est comme euh, c'est comme euh, Saint-Etienne, genre c'est pareil, Saint-Etienne là je pense qu'ils sont bons pour descendre en de Ligue 2. Ou hein. ils passent en mode attaque, il est vraiment bizarre. Euh... ah bah c'est comme moi à une certaine époque avec Marseille, hein. on, est, on a taboué bien placé au championnat, en fait tu tellement dégoûté de voir la qualité des matchs qu'au final tu te dis euh, c'est quoi vas-y, euh, j'ai même plus la télé, regarde plus les matchs. Mais bon, puisque j'ai décidé de me prendre les abonnements à RMC Sport, Prime vidéo avec le Passig. Euh, bah du coup, Canal Sport avec l'offre moins de 26 ans, là euh, RMC Sport et Bean Sport qui est inclus directement avec l'offre Canal Sport de moins de 26 ans. Tu as Eurosport avec, enfin, as, en gros, je peux regarder tous les trucs de sport que je veux. tu vois Avec ça, je suis tranquille, je suis bien. Et j dit, tu sais quoi, autant que je rentabilise, parce que si jamais je j'achète ça, enfin, du moins, je, je paye mon abonnement tous les mois pour ne pas regarder les chaînes de sport ni les matchs de foot, ça sert à rien. quoi Au, au moins, faire des petits, euh, des petits lives de temps en temps. Euh, surtout le réel Vinicius, ouais, bah oui, bah, après il lui a fallu du temps, hein, j'ai envie de te dire, ça fait combien de temps déjà Au moins 3 ans que le réel a misé sur lui et qu'à la fin il n'a jamais été euh, entre guillemets convaincant aujourd'hui, maintenant il l'est, tu vois. D'ailleurs, en, en parlant du réel, ça fait un moment que j'ai pas regardé les, les vidéos de je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Riyad, c'est euh... je vais vite regarder. Alors, se uh, Ries, je crois. Hein. Il Un truc du style. D'ailleurs, est-ce Est qu'il en fait encore des vidéos, lui Bah, d'accord, il a changé totalement son format. Avant, il faisait des trucs de foot. C'est quoi, je regardais. Bah D'accord, ça a totalement changé, c'est ouais, ça il a dépassé le million, euh, c'est plus pareil. Hmm il a changé de nom, puis il a tout changé. Va bah, savoir. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Bah voilà, quoi. Voilà, voilà. On peut dire que bah, au niveau de la Coupe de France, les prochains matchs, du coup, il y a Nice-Marseille. Euh, bah, qui va jouer en quart de finale. Après, je ne sais plus exactement le tirage qu'il y a pour la, la suite des matchs. N'empêche, quand tu tiques encore, il reste. Bah du coup, Nantes, Bastia. Monaco, Amiens. Nice-Marseille. Et Bergerac, Versailles. En Sachant que je crois que ça m'a tard. Nice-Marseille, Bergerac, Versailles. Euh, Amiens, Monaco. Monaco qui va faire plaisir. Et Nantes, Bastia. J'ai envie de te dire, Bastia, ce serait peut-être même le... Bah comme tu veux, écoute, ce serait gentil. Hein en vrai, euh, en vrai c'est cool. Hein si, si des gens... En vrai, je, je veux dire, moi, il faudrait qu'on parle, entre guillemets, en off de ton développement, tu vois, un peu tout ça, genre comment que ça s'est fait, parce que du coup, tu as pas mal d'abonnements. ouais sur euh, J'ai vu que te, tu fais du TikTok maintenant, du Insta, tu te mets aussi sur Facebook en faisant des stories. Il y a plein de trucs comme ça, et je veux dire, tu vois, ta méthode, genre ta professionnalisation, si on peut parler de ça comme ça, de comment tu fais... Euh... Bah, du coup, pour faire tout ça, quoi. Parce que du coup, c'est intéressant. Et je t'avoue que j'aurais bien voulu euh, bah avoir tes conseils, genre tout. Euh, moi, en vrai, euh, bah tu vois, j'essaie de. Enfin, je, je, je veux pas non plus te copier parce que je me dis, tu vois, on est potes et tout, et concurrence entre potes, j'aime pas ça. Mais je veux dire, euh, tu vois, faire des trucs un peu comme toi, en étant différent, et genre proposer, tu vois, genre moi faire des lives comme ça, genre foutre et tout, tu entends sur les jeux, ou voilà. Et euh, d'autre côté, bah. Bah moi aussi je joue avec toi Rocket League ça me plaît ou même Fortnite ou n'importe quoi donc euh... C'est pour ça Mais de toute façon voilà comme je dis je finis mon petit live vite fait là et après si tu veux on peut même partir sur quelques games Rocket League Je bon, pense pas qu'après je vais me coucher trop tard non plus mais euh... on peut se faire peut-être une heure de une heure de jeu j'ai je juste boire un coup entre deux et puis euh... il y a moyen de toute façon euh, tous les deux sur Xbox Puis je pense que maintenant t'as bah, mal enfin, malheureusement on va dire ça comme ça euh... Tu as plus de temps pour pouvoir geek aussi euh... tranquillement chez toi vu que maintenant bah t'as pas gardé euh... Je pense que d'un côté, euh... bah, dans le fond, ça doit te faire un peu chier, mais bon, on va dire, tu restes quand même sur quelque chose qui te plaît. Donc, euh... Mais euh... mais voilà, du coup, Versailles et Bergerac, donc Ligue 2 CFA2, je crois, ou quelque chose comme ça, ou N3, je sais plus. Marseille, Nice. Euh... Ensuite, du coup, Amiens, Monaco. Et Bastia, Nantes. Donc, ce serait bien de voir Bastia, qui du coup vient de National depuis deux ans, je crois, pas de bêtises. Bah, voir qu'est-ce qu'ils vont faire euh, contre Nantes. Prénom de pareil pareil hein. est ce que arrive va... va réussir à, à taper le l'écorce euh... Ah bah non mais bah en vrai moi moi dans l'idéal comme je dis à ma famille enfin ma famille je dis à mon beau frère euh, ma demi sœur tout entre guillemets euh, alors, mon entourage de ce côté là parce que ma mère va euh, s'en fout un peu tant que je vis de, de ça et puis que je gagne des sous-dire euh, on me lâche un peu la grappe. Mais euh, clairement, hein, moi, si un jour, bah, un peu comme certains streamers euh, ou youtubeurs, euh, admettons, je peux entre guillemets me faire plaisir à jouer et puis en même temps bah, en enfin, faire ma passion. Après, comme tu dis, hein, je pense que c'est quand même beaucoup de travail. Beaucoup d'heures par jour. Il faut faire de la pub sur Twitch, il faut faire de la pub sur YouTube, il faut faire de la pub sur Insta, il faut faire de la pub sur Facebook, euh, genre les stories Facebook, je sais plus comment on appelle ça. Messenger ou je sais plus quoi ou... Facebook de base, enfin, voilà, t'as compris ce que je veux dire. Faire de la pub sur TikTok, faire de la pub peut-être sur Snap, faire de la pub sur euh, Twitter. Je hum, crois que j'ai rien oublié. Mais en gros, déjà sur tous ces réseaux-là, comme dirait euh, bah, du coup euh, Tom de Zero Absolute Gaming, quelque chose comme ça, je crois que c'est ça sa chaîne de YouTube. Euh, les créateurs de contenu, en fait, faut qu'ils créent tout le temps du contenu pour rester au top du truc. Tu vois, c'est comme pour être un peu professionnel entre guillemets, il faut rester euh, à créer plein de choses sur tous les autres réseaux, même quand t'es offline et que t'es pas forcément en live, que ce soit d'ailleurs sur, euh, sur Twitch ou entre guillemets en train de proposer des vidéos sur YouTube. Il faut tout le temps se renouveler, faire des trucs comme ça. Après, j'avoue que c'est beaucoup de travail. Je veux dire, euh... bon, pour l'instant, je pense que toi comme moi, c'est pour le fun. Si on a la chance de percer, et pourquoi pas en vivre. Tant mieux. Bah au moins nous ce qu'on fait, ce qu'on pourrait se dire, c'est que excusez-moi, hein, là je vais clairement mettre les pieds dans le plat. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui nous regardent ou non, ou voilà. Mais de toute façon je le dis quand même parce que c'est ce que je pense. Nous au moins, on ne fait pas des photos assez olé-olé sur OnlyFans ou sur MIM. Hein. Entre guillemets, on vend pas notre cul euh, bah, en photo sur les réseaux. Et au moins on fait des choses honnêtes, légales. Et en plus de ça, on prend du plaisir à faire ça. Donc j'ai envie de te dire, on est respectable. Ça m'étonnerait quand même qu'il y ait un pourcentage de gars très élevé qui, qui vendent des photos de sur ces conneries-là, tu vois sur ces plateformes-là. Hein. Je pense que c'est plutôt les goûts entre guillemets. Ah oh bah, je suis bonne, j'ai une belle tête, j'ai un beau cul, j'ai des beaux seins. Allez, vas-y, euh, petite photo. Là, je pense que tu vois, enfin, genre, je cite citais que personne, mais bon, d'un côté, genre, pour parler vraiment des, des, des gens les plus connus et les plus célèbres. Hein Amourant par exemple. Voilà quoi. L'autre, la meuf, elle va se, elle va se mettre euh, dans une piscine en bikini euh, chez elle. Hop oh, là, c'est la fête du type. Moi, je vais faire pareil. allez, Je vais mettre mes couilles à l'air dans, le, dans, le, dans la piscine. C'est en mode je me mets en bikini et tout là. Allez, c'est magnifique. Regardez-moi, je suis à poil. Ah, mes petits abdos que j'ai pas et tout. Tu vois, genre mes petites tablettes de chocolat. Ou plutôt euh, mon mon Nutella dans le bid. Genre à un moment donné, je vais montrer tout ça. Tu vois, genre les gens, ils vont dire, mais il est pas un peu suis, oui. Ah, pardonnez que c'est des meufs qui font ça là. Ils sont tous là en mode... Euh, la langue qui bave là, la... non, mais c'est n'importe quoi, je te jure. Et tu vas dire, j'ai pété un plomb. Euh... Ouais, bah c'est exactement ça, tu vois. Genre, mais à un moment donné, les meufs voulaient faire un truc comme ça, les mettre des stories sur Pornhub ou je sais pas, faire des trucs du style, tu vois. Mais laisser les gens tranquillement faire des trucs pro, ou je sais pas, moi, mais à un moment donné, euh... moi ça me gave, franchement. En fait, j'ai regardé ça une fois, tu vois. J'ai regardé ça une fois, et je me dis. Comment les gens peuvent regarder un truc où la meuf, elle lèche des micros, et à la moitié à poil, avec un bikini, en string, et genre, t'as l'impression que la meuf, c'est une sirène. Et le pire, c'est que t'as je sais pas combien de spectateurs. Chez la meuf, elle gagne sa vie en, en se foutant au C'est un truc de ouf, quand même. Hein. Ouais, ces gens la perdent, c'est ça qui me choque. Je me dis, non mais, excuse-moi, Jason, aujourd'hui, la mentalité des gens, euh, vers quoi on va Genre, tu vois, nous, je pense que, ok, on est peut-être d'un trou promis, genre, euh, que ce soit la Meuse, les Ardennes, ou peu importe. Je pense qu'on est loin de tous ces trucs, genre, tu sais, la civilisation avec les cerveaux comme ça qui partent en couille. Et là, tu te dis qu'au final, dans les grandes villes aux états unis ou même en France, hein, je pense que pareil, hein, des fois, as des gens qui font de l'ASMR. Genre, pareil, je vais pas faire de pub, mais par exemple, je regarde des, des vidéos ASMR d'une go euh, qui habite à Nancy. Bon, elle, est en, elle est en Lorraine. Pareil, je regarde aussi une vidéo, enfin, des vidéos Fortnite d'une go qui habite à Metz. Il euh, y en a une à la 18, entre 18 et 20 piges, l'autre à la 30 piges. Bah en vrai, ce qu'elles font, c'est bien. Hein. Franchement, l'autre, elle joue. Bon, après, pareil, elle a plein de followers. Euh, l'autre, elle fait de l'ASMR et tout, pareil, avec une ring light et tout. Bah, Sûrement un enfin, des micros quand même euh, assez haut de gamme. Euh, un appareil photo, je crois. Ça mettrait sur, sur le webcam, donc c'est plutôt un appareil photo. Mais pareil, tu vois, elle a mis la... Enfin, elle là-dedans. Elle fait ce qui lui plaît. Et je veux dire, après, elle lèche des micros. Euh... De temps en temps, enfin, après, il n'y a rien de choquant, elle n'est pas à poil, elle est jolie, elle est plutôt mignonne, et au moins, je veux dire ce qu'elle fait, tu vois, contrairement aux meufs où elles se montrent en bikini, tu vois, elles n'usent pas de leur charme, entre guillemets, pour, pour percer, quoi. Et moi, je préfère des gens comme ça que des gens qui, ouais, vas-y, euh... à un moment donné, puisque, bah, en plus de ça, c'est aussi la faute à la personne qui a ouvert ces plateformes-là, parce que j'ai envie de te dire, de toute façon, euh... d'accord, mon téléphone, j'avais oublié qu'il s'était mis en veille, euh... les, les... Enfin, le créateur de ces plateformes-là, j'ai envie de te dire... Euh... Bah, en fait, bah, on pourrait parler de tout un tas de choses. Genre tu vois que sur les sites de rencontre ou n'importe quoi, le pouvoir est donné aux femmes. Là c'est pareil. Tu crées des sites comme ça, le pouvoir est donné aux femmes, puisque de toute façon auras des putains de pigeons qui seront là pour payer. Pour au final, bah genre se rincer l'œil sur une photo euh, à moitié sensuelle, si on peut dire ça comme ça, parce que maintenant, euh, le porno sur ces sites-là, euh, c'est un peu plus euh, entre guillemets caché, hein. OnlyFans a bloqué ça, maintenant c'est Mime qui récupère ça, mais on c'est pareil. Hein. Je pense que Mime, ils vont être sûrement censurés aussi, comme Only a été. Donc j'ai envie de te dire, euh, à un moment donné, où va le monde, quoi Franchement, où va le monde Et le pire, c'est que ces meufs, elles en profitent, que de l'argent-là, tu vois. Genre, euh, moi, comme je dis, hein, pour moi, c'est de la prostitution déguisée. Une fois, là, je discutais avec une meuf comme ça qui avait mis un profil, je crois que c'est sur Fuit ou je sais plus quoi, tu vois. Et euh, en fait, j'ai essayé de comprendre dans la tête de la meuf, mais... Pourquoi tu fais ça, genre Et puis elle me dit Oh, bah c'est une discussion entre les copines qu'on a eue. Euh, elle me dit quoi Elle me dit euh, Bah écoute, euh, on m'a dit que je savais faire des, des belles photos, alors du coup j'ai décidé de, de les vendre, parce que je me dis que pour moi, les garder pour moi, ça ne va à rien. Je les montre à mes copines, mes copines elles disaient que j'avais un, un talent artistique, donc du coup j'ai décidé de les vendre. Et je fais Ouais, ok, tu les monétises, et donc du coup le fond de la pensée il est où là Parce que du coup, encore, je veux dire, tu es dans le besoin, tu n'as pas de travail, et que tu n'as aucun cerveau tu sais faire que ça de ta vie, pourquoi pas Mais je pense que tu es quelqu'un de suffisamment cultivé et. Tu peux avoir d'autres valeurs qui fait qu'au final, bah. Genre, les gens s'intéressent à toi pour autre chose, quoi. Pourquoi te montrer à poil et juste pour tes seins et voilà Non Non Alors à un moment donné, elle fait Ouais, mais il n'y a pas que des gars qui font ça, il y a aussi des gars. Ouais, bah, le pourcentage de gars qui font des photos comme ça est assez faible, hein, parce que, excuse-moi, hein, c'est pareil. Hein, Aujourd'hui, les gars euh, sur Tinder, euh, les gars qui arrivent à avoir des matchs ou des trucs comme ça, excuse-moi, hein, euh, je sais pas si toi tu sur ces trucs-là, mais. Après, comme je dis, je vais pas non plus te raconter trop ma vie, mais moi je vais là-dessus, franchement, ça ne marche pas trop. Hein. Pourtant, il y a des gars qui sont pires que moi. Hein. Après, tu as des gars qui sont aussi mieux, mais tu as l'impression que les meufs là-dessus, c'est les princesses. Ah non, je vais aussi pas marcher, je veux tel gars, je veux qu'il ait des tablettes comme ça, je veux un blond pieux, je veux le mec qui fasse un mec 80. Non, mais calme-toi, hein, t'es tu pas une princesse. Hein. D'accord, ma télé qui bug. Et voilà, voilà, l'histoire de la vie. Bon, C'était le petit coup de gueule, un petit peu. Euh, qui on, 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 on parlait sur un live foot et puis ça a dérivé sur plein d'autres choses. Mais du coup, voilà, hein, c'est exactement ça. Hein. Bon, du coup, il est 1h25. Euh, du coup, ça fait au moins déjà. Euh, bah ouais, cumulé, 37 minutes plus euh, une vingtaine de minutes, on est pas loin d'une heure. Donc, euh, après, pareil, hein, on, va, on va regarder vite fait les. Là, le pauvre Jason, il doit se dire Non, mais il parle tellement vite, il parle trop, j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à écrire des messages sur le chat, tu me casses les couilles <laughs> Non, mais promis, je serai pas aussi. Euh... Ah Ah, t'as pas arrêté ces merdes ouais, Moi, je t'avoue qu'en vrai, j'ai envie de lâcher l'affaire. J'ai changé de fil et pourtant, j'ai l'impression d'être blacklisté déjà. Mais du coup tu parles de qui Une nouvelle encore après euh, la personne que je connais ou tu parles de cette personne là En tout cas si tu parles de cette personne là j'ai envie de te dire, euh, je peux te comprendre, parce qu'au final moi c'est pareil, tout à l'heure j'étais encore en train de penser. Euh... Bah du coup le fameux téléphone là. Celui-là. Je ne sais pas si elle regarde mes lives, en vrai je m'en branle. Enfin, au moins ce sera clair. Parce que de toute façon, j'étais bloqué de partout et... et voilà. Mais là, je suis sur mon iPhone, donc le téléphone que tu vois, que je bouge comme ça. Celui-là, je le montre pas parce que du coup, c'est... ça ah, ok. Ouais, bah, je sais pas. Le chat est vraiment bizarre. Hein. Peut-être que je vois pas non plus tous tes messages sur le chat puisque ma tablette bug. Bah, je sais pas. C'est glauque. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, ce téléphone-là, ce fameux téléphone-là, bah, du coup, c'est ma soeur qui m'a, enfin ma demi-soeur qui me l'a prêté. j'ai toujours. Il fonctionne. Hein, regarde les grands saluts, machin. Et du coup, j'ai installé Snap dessus parce que, bah, vu que je suis bloqué avec mon compte, j'ai refait un compte simple. Juste pour voir si c'était juste Snap qui buguait. Ou si du coup, j'étais encore plus bloqué que bloqué d'avant. Eh ben non, je suis encore plus bloqué que bloqué d'avant. Mais en plus de ça, ben, grâce à Snap, tu peux voir quelques infos. Euh... Ah, une autre meuf qui était sa copine, d'accord. Euh, une meuf de la mission locale ah, Ex-meuf de la mission locale, plutôt ou... Je la connais pas du tout. Mais du coup, sur ce téléphone-là, pour te raconter le truc, c'est qu'en gros, j'ai regardé son profil, savoir un peu qu'est-ce qu'il devenait et tout. Et... En vrai, il y a eu deux, trois petites infos que j'ai pu gratter. Après, ça m'a pas apporté une satisfaction, voilà, mais bon, j'ai envie de dire, ça fait maintenant deux voire trois ans que, que j'ai arrêté les cours, que je ne suis plus à Bazeille, et pourtant, bah, je pense encore à ce gars-là. Après, je veux dire, je pense, tu vois, c'est. Quand je dis je pense, c'est une façon de. Enfin, tu vois, je ne suis plus à fond sur le truc et tout, en mode, ouais, je sais que c'est mort, voilà, je m'en fous, mais en gros, quand j'y pense, tu vois, c'était un peu la nostalgie, le... la pensée, tu vois, comme. Après, c'est un peu fatal ce que je veux dire, mais comme quelqu'un quand, quand, quand une personne meurt, tu vois, tu as toujours le, le, les souvenirs, voilà, c'est ça. Eh bah, ben, tu vois, les souvenirs, tu les gardes. De toute façon, ils partiront jamais, mais je veux dire, voilà, quand tu y penses, j'y réfléchis, tu sais, en ce moment, je suis un peu nostalgique, pareil, des plans que j'ai un peu grattés, gâchés tout seul il y a une certaine époque, pareil, 4-5 ans. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis j'ai envie de te dire, comme je disais avec ma soeur tout à l'heure, en mode, de euh, bah, toute façon, maintenant, il faut le temps que, voilà, je déménage, je suis dans une autre ville, il faut le temps que tout se fasse, le travail, ça va plutôt bien, enfin, ça va bien aller, du moins. Euh, je suis bien installé dans mon appart, je m'y sens bien, l'approche, je peux faire des bons lives, des trucs de qualité. Genre, t'as des, des belles lumières, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, je suis, je suis bien, je suis posé, je suis a rien à dire sur ça. Après, c'est juste le côté social, bah, du coup, c'est aussi pour ça que je fais des lives, pour échanger avec des gens que je connais, des potes ou d'autres personnes, des nouvelles personnes que je connais pas, par exemple. Et, euh, et après, bah, les meufs, ça, c'est un peu comme toi, hein, je pense que moi, je suis aussi dans la merde à ce niveau-là. Hein. Après, c'est pareil, je vais pas non plus détailler certaines choses, mais on va me dire encore, ouais, mais tu vois, t'es pas moche, machin, bah ouais, je suis pas moche, et pour toi, pourquoi la dire aucune meuf alors Alors on va dire, faut arrêter d'être compliqué, non, mais faut arrêter d'être compliqué, à un moment donné, je vais pas non plus sauter sur la première meuf qui est venue, hein. je suis pas Christophe, tu vois ce que je veux dire Je suis pas, entre guillemets, d'autres personnes euh, plus proches, entre guillemets, de ma famille, qui au final, pareil, euh, chance de copine, euh, comme, de, euh, comme de caleçon, quoi. Enfin voilà euh, ok, une autre fille avec qui tu parlais au collège. Et t'as voulu dire que tous les sites de dont t'as arrêté, ouais, t'as arrêté, ça marche pas. Non, mais moi c'est pareil. Hein. Je pense qu'on a autant de chats toi comme moi. Hein. Quand t'as un minimum en confiance, euh, bah, tu sais bavarder, parler. Mais j'ai l'impression que sur ces sites-là, les meufs elles sont tellement compliquées. En mode, t'as l'impression qu'elles veulent vraiment Brad Pitt et Ken. Là. Euh... Mais genre Ken, tu sais, le... Genre l'action man, là, le mec euh, hyper musclé, euh, avec la peau blanche, euh, laisse tomber. Bah, c'est pour ça, je pense que tu si tu te fais une image d'avoir un truc utopique que tu veux te taper, euh, bah, dans ce cas-là, c'est imaginaire, hein, ça n'existera jamais. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, on dé les meufs. Euh, sur ces sites-là, c'est de la merde, là, franchement. Euh... Bah... T'as totalement raison, Jason. C'est aussi pour ça que moi, d'à côté, je pense qu'on est un peu comme... Enfin, toi comme moi, on est un peu... Euh, genre, vieille école, vieille génération, tu vois... Tous ces trucs-là. Euh, bah, par contre, je vais peut-être me mettre un peu plus comme ça. Voilà, là, je suis bien poussé dans mon siège. Euh, un peu plus comme ça. Et franchement... Euh, pour ça, moi, les meufs, aujourd'hui, ça me dégoûte. Hein. Comme je dis, hein, ça fait... Je dirais 3 ans. Juste comme ça. Et franchement, d'un côté, tu vois, il y a des jours où je suis un petit peu nostalgique, mais... La plupart du temps, je me dis, c'est quoi, c'est pour te faire emmerder par une meuf qui te casse les couilles, qui au final n'accepte pas ta vie, genre de gamer, de tout ça et tout, qui en plus de ça te fait chier pour tout un tas de trucs, bah autant rester solo, hein. franchement. Euh... Après, il y a aussi des avantages, hein. Je veux pas parler trop crûment parce que je vais me faire ban sur Twitch, mais euh, tu vois ce que je veux dire, le. Ça, c'est pas mal, ça non plus. <laughs> euh. Ah non, mais c'est ça. En fait, ça sert à rien d'être gentil parce qu'en en fait, voilà, regarde, tu vois. Avant, on me reprochait quoi On me disait, ouais, t'es immature, machin, tout ça. Mais d'à côté, c'est ce côté immature qui faisait mon côté fun, tu vois. Aujourd'hui, on va me dire, t'es trop sérieux, machin, truc et tout. Même si je suis encore gentil, tu vois, parce que je reste pareil. Mais euh... Pff, franchement, ça, ça casse les couilles. Hein. Bon, du coup, on est sur 60 FPS. Après, toi, sinon, pour parler d'autre chose, tes jeux auxquels tu joues, tu restes à peu près sur les mêmes, tu m'as dit, euh, t'as repris Apex, t'as repris Warzone, et genre ça marche, et puis c'est pareil pour ton frère, lui qui voulait se lancer sur Twitch, pareil, ça fonctionne aussi, ou ça marche pas du tout pour son cas, lui Bah t'as raison Jason. Non en vrai t'as totalement raison. Hein Regarde. En vrai, enfin je sais pas toi, mais moi je sais que les streams, tout ça, ça m'apporte un, un pseudo-bien-être psychologique. Euh... Oh, il a vite abandonné. Bah, en vrai, moi j'abandonne pas vite, parce que en vrai, tu vois, je me dis, la fameuse meuf que je t'ai parlé tout à l'heure là, c'est de piges qui fait des lives sur Fortnite. D'ailleurs, faudrait peut-être que je la mette en recommandation euh, sur mon PC, euh, sur ma... Sur mon compte Twitch. Et du coup, euh, bah pareil, elle fait des live viewers entre guillemets sur Twitch et en gros, je crois qu'elle a mis dans les un an, un an et demi à percer, tu vois. Donc Je veux dire, moi, ça fait un an que je fais des lives. Après, on n'a pas le même développement parce que du coup, je suis pas régulier. Parce que pareil, il y a des moments où j'ai des mots, où je suis pas chez moi, que j'ai pas la connexion pour stream, que j'ai pas mes équipements, genre mon PC, ma console, la webcam, enfin tout ce qu'il faut. Et encore, déjà avant, j'avais pas de webcam, là, je me suis pris une Logitech C920, donc le entre guillemets. Euh Enfin, le must mais euh, le best-seller comme ils disent euh, en général euh, des caméras enfin des GoPro euh, des GoPro des webcams autant pour moi là j'ai un petit micro casque avec lequel je joue avec toi sur Xbox et tout quand on joue ensemble euh, bah, du coup qui m'a été donné euh, pareil c'est un Logitech G435 ou je sais plus trop quoi qui m'a été donné par mon par mon beau-frère côté de ma soeur euh, du coup la ring light pareil c'est ma soeur qui me l'a donné pour Noël les deux lampes là, celle-là je l'avais achetée avant Noël, je l'avais depuis septembre-octobre, je crois. Le truc là je l'ai acheté au mois de mois d'août. Ma manette Xbox là, j'ai encore une blanche là-bas et une noire d'Xbox One première ou deuxième génération là-haut. Celle-là je l'ai acheté la bleue euh... en juillet-août, quelque chose comme ça. Euh, mais justement, maintenant pareil, hein, j'ai stream sur PC pour du coup les live football, comme ça, c'est un bel interface graphique, tout est bien, tout est magnifique avec le truc et tout. Et sur Xbox directement, la console, le micro-casque, la manette et les jeux. Et puis c'est parti sur du gameplay, quoi. donc j'ai envie de te dire, euh, moi j'aime ce que je fais. Euh, franchement, on va dire que j'ai la chance d'avoir la famille qui m'a suivi aussi dans mes, dans mon projet et du coup qui m'a acheté les choses qu'il fallait. Mais pour l'instant, t'as tout qui marche, t'as tout, qui... tout qui est bien. On est vraiment bien pépère comme il faut. Euh, alors toi, les jeux, Sea of Five, Rocket, Fortnite, bah, Si of Thief, je comptais aussi faire des lives dessus. J'ai Pas encore euh, joué une, une partie ou deux vite fait sur PC et sur console, j'ai téléchargé, j'ai pas repris Call of Warzone comme je te disais, problème de téléchargement entre euh, le disque dur. J'ai plus de 100 mégas, enfin, plus de 100, presque 200 gigas de disponible sur le disque dur. Je peux pas l'installer parce qu'en fait, je crois que Xbox, tu vas me dire si je me trompe, mais je crois qu'Xbox a bloqué à euh... enfin, toi. C'est différent parce que tu as encore la série S, mais bah enfin, l'Xbox One S plutôt. Et vu que moi j'ai une Xbox Series, en fait t'es obligé d'installer maintenant sur le SSD de la console. Et vu que j'ai plus de mémoire sur le SSD, il ne me rester quoi, 50Go Bah je peux pas. C'est pour ça que je veux tester de prendre une carte d'extension. Au pire elle sera pas perdue parce que je pourrais mettre Call War dessus quand je Je pourrais mettre aussi euh, Modern Warfare. Et euh, tout un tas de choses dessus. Donc euh, en gros je veux tester si jamais Warzone je peux l'installer sur le SSD de la carte d'extension. Et si jamais je peux l'installer c'est qu'au final c'est un problème justement de... Comment dire ça l'intégration en fait entre les jeux la console quoi et le les disques durs mais en gros voilà c'est pour ça moi pareil bah forza bah faut attendre que j'ai la mémoire donc pareil forza sur une carte d'extension je pourrais l'installer comme je te dis peut-être fail simulator mais à vérifier d'après ce que tu m'as dit justement il faudra que je vérifie euh... modern warfare bah du coup comme je te dis euh... jeu paranormal bah des jeux justement je bah, après un conseil que je peux te donner je sais pas si tu l'as déjà fait ou pas mais euh, certes j'ai un pas un pote, mais euh, mon ancien surveillant de lycée en fait, qui est aussi a un pote par la même occasion, euh, il fait en général un mercredi ou un jeudi soir de l'horreur. Et en fait, ça c'est des choses qui marchent plutôt bien sur Twitch. Quand tu fais un jeu spécial, genre moi tu vois j'étais chargé avec le Game Pass, j'ai Outlast 2, je crois, et Addict by Daylight. Les deux là, ce qui paraît, c'est pareil, c'est des jeux qui marchent pas mal pour les jeux de l'horreur. Et les gens suivent, il y a une bonne communauté à, à choper là-dessus. que ça peut être intéressant. Euh... Ouais. Bah du coup, vas-y, hein, moi j'ai mon téléphone, donc de toute façon tu vas m'envoyer sur Messenger. Euh... Oh es juste pas regarder notre conversation hein Ouais, Bah, c'est vrai que toi tu avais aussi le volant, ouais. j'y pensais plus, mais effectivement tu avais aussi le volant, la télé, le volant, la console, <laughs> la petite... Euh... La petite comment Là, On voit mon bide, merde. La petite... Multiprise euh... des familles avec la petite manette blanche. Mais du coup, t'as une PS4 aussi en fond, je crois, non Donc c'est moi qui suis con là-bas Non, c'est peut-être le bureau de base, je sais pas. ça ouais, sympa, ouais, le petit. qui s'est avec le petit siège gaming, là. C'est cool, hein Ces visages Je comprends pas. Je suis en train de montrer tous mes messages en euh... live sur Twitch. Me faire défoncer par toute ma famille. <laughs> je suis mort. En tout cas, euh, bah du coup, tu sais, on parlait de pareil. Parce que justement, je pensais à toi il n'y a pas longtemps. La Xbox bah, Je croyais que c'était une Xbox blanche. Attends, je vais revenir sur la photo là. là tu vois pour moi, ça, c'est la Xbox là. Ici en blanc. Et là en noir, du coup, là-bas, c'est quoi ça C'est une PS4 Du coup, t'as des câbles et tout qui traînent autour. Bah D'accord, il y a mes voisins au dessus, je sais pas ce qu'ils foutent, mais... Peut-être qu'ils poutrent. Euh... Ah, t'envisages un jeu paranormal C'est moi qui suis con, je comprends pas. Enfin, je sais pas. Peut-être fatigué ou je comprends plus rien. Mais du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah, ta boîte à carton Ok, je... c'est pour ça que je me dis, je comprenais pas. <laughs> Mais du coup voilà pour revenir à ce que je disais, euh, tu sais quand on parlait, tu m'as dit ouais j'ai un boîtier d'acquisition, je l'ai acheté, mais au final je dis jamais et tout. Euh. Après le truc c'est que je reviens probablement, je dois prendre rendez-vous pour le 15, euh, le 15 février là pour faire l'état des lieux de mon ancien logement. Enfin, malheureusement euh, ça sera que l'aller-retour. Et honnêtement pour revenir euh, pour chez toi en même temps, ça sera un peu compliqué. Je sais pas si ça Enfin, ton offre elle tient toujours, que tu voulais me le prêter. Euh... Mais du coup, euh, bah, le truc, il faudrait qu'on se cale un moment et qu'on se fixe un endroit où, où genre on peut... Où on peut... je peux le récupérer. Quoi. Le truc c'est que je viens avec ma sœur, donc je pense que ma soeur elle acceptera pas de faire un détour par carignan, même si c'est à côté. Elle, dans sa tête, tu vois, ça sera au fait l'état des lui et puis on rentre directement, quoi. Sachant sur, sur qu'on a deux heures de route après euh. C'est chaud, mais euh, En vrai, le celui que j'ai, tu sais, j'ai payé un truc Mirabox sur euh, Amazon. On va dire pour faire ce que je fais là, genre tu vois, et puis pareil, des jeux mobiles qui ne te, te demandent pas trop de réactivité, genre admettons, euh, Clash Royale, Clash of Clans, des jeux comme ça ça va. Mais si tu veux entre guillemets stream, tes jeux consoles, genre j'essaie avec les Xbox, le problème c'est que Rocket League, injouable, c'est trop... Bah, en fait c'est même pas 30 fps de... de record au de niveau de... Du... de la boîte d'acquisition, donc c'est chiant. Euh, pareil, Rocket League Swap soit soit, sur téléphone, c'est la même merde, donc c'est hyper chiant. Mais des jeux où t'as pas besoin, genre tu vois, mettons comme tu dis, genre voiture dirt et tout, t'as pas trop de FPS dessus normalement. Il y a moyen que de toute façon euh, ça ça recorde bien quoi. Mais en vrai, il me faut, enfin je sais pas si mon PC mais je pense que c'est quand même aussi un peu la carte d'acquisition. Et c'est pour ça que j'aurais voulu tester ta média, vite pour voir si le fait d'avoir une média, ça change grand chose ou pas à mon boîtier d'acquisition. Si la média est meilleur que le mien ou voilà, parce que je veux dire, comme je t'ai dit, j'ai claqué que 70 boules là-dedans. Toi, t'as dû payer peut-être centaines d'euros. Et quand tu vois les fameux gâteaux là, les pareils, les best-sellers qui font genre les 60s ou 60s plus ou des trucs comme ça là, franchement, presque 200 balles pour un boîtier d'acquisition, euh, ça t'arrache le cul. Très hein. hum. franchement, ça t'arrache le cul. Donc, euh, c'est pour ça que je me dis, euh, à un moment donné, écoute, euh, je sais pas. Enfin, franchement, je sais pas. Euh, à voir. Du coup, on va être à presque une heure et demie là, de live. Du coup, je pense que je vais arrêter le live là, et puis on va... J'allume la Xbox. Puis, euh, de toute façon, je vois quand même pas la télé, là, en vrai. Je pas, d'ailleurs, si le son de, de la chaîne d'équipe, elle s'entend sur le... le micro, mais je pense pas. Hein. De toute façon, euh, je pense qu'en vrai, j'ai eu ma dose de... de live. Là, Ça fait, comme je dis, une heure et demie que je live. En vrai, moi, j'arrive pas à mettre trois heures de live d'affilée. À un moment donné, tu vois, comme toi, tu dis aussi, ça bouffe. Alors... Psychologiquement et tout ça, genre, ça t'épuise, ça hein, on dirait pas, mais à force de parler, de réfléchir, de savoir ce que tu vas dire et tout, ça, ça travaille. Hein. Bah, je pense en vrai qu'il y, y en a qui vont mieux que les. Il y en a qui vont mieux que les. Les les toutes chères, là. Après, comme je dis, hein, euh, là, moi, j'ai pris une Mirabox en soi. Euh... Ouais, elle fait plutôt le taf, hein, en soi. Euh... Elle marche bien, regarde. Tu quand tu fais des petits trucs comme ça ça va, ça bug pas trop. Et juste quand tu fais des autres trucs, genre comme je te dis sur Rocket League et tout là. Euh... Après je pense qu'en vrai ce serait mieux de stream avec un bon PC, voilà. Parce que du coup quand je stream du Rocket League, après je sais pas si toi ça te le fait aussi, mais moi quand je mets ma... ma caméra sur le... la console, quand je fais mon live, en fait ça casse les couilles, genre, parce que du coup, t'as as un décalage entre le son et l'image, le... genre t'as un délai de ouf. Alors qu'en fait... Euh... Mon ancien appart, du coup, il est enfin, à mon midi. Il était à mon midi. Et du coup, tu un décalage entre le son de l'écho le... enfin, de l'image, entre guillemets, au niveau de la voix, ce que tu dis, tes musiques et tout, et le son, le vrai son que tu as du jeu, plus de la voix. C'est ça qui est glauque. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais euh, c'est vraiment bizarre. Ça fait 10 minutes que je parle pas. À un moment donné, ça fait une petite pause. Bah, si le 15, admettons que t'es disponible et que ton père l'est aussi, je t'avoue que ça m'arrangerait bien. Après, t'inquiète, hein, je t'enverrai ça euh, bah, probablement après, quand on jouera sur Rocket ou un autre jeu. Voilà. Bah, C'est vrai que t'es pas loin de moment dit, bah, je t'avoue que ça m'arrangerait bien. Ce serait super gentil si tu pourrais. En vrai, ce mois-ci, enfin, malheureusement, même pour les 100, je pourrais pas te donner quelque chose pour l'instant. Mais au pire, un jour, tu m'enverras un RIB et je te ferai un virement comme ça. Euh... Comme je t'ai dit, moi j'aime bien que les choses soient bien faites comme ça. Alors c'est pareil, j'ai emprunté la voiture de la mère de de ma demi tout à l'heure. Euh... Bah, du coup, j'aime pas. Comment bah, J'aime pas profiter des gens pour rien comme ça. J'aime bien que ce soit entre guillemets, genre réciproque. Admettons que tu m'aides à faire un truc, je t'aide à faire un truc derrière, tu vois, c'est comme ça. Enfin, enfin, enfin voilà voilà donc nous niveau calendrier pour revenir sur ça parce que comme ça on finit vite fait ça puis tu vois après je fais ma petite pause boisson et puis euh... ah moi c'est pareil en fait alors tu sais j'ai un PC de base avec une carte graphique intégrée mais c'est une carte graphique spécialement pour la 3D de base en fait c'est ils appellent ça un home station c'est un PC qui du coup est fait normalement pour faire tout ce qui est 3D animation machin tout ça tu vois mais au final c'est une carte graphique qui est pas du tout performante pour les jeux alors au final euh... bah, c'est chiant quoi parce que du coup euh... Moi, j'ai tout 3D et tout, j'utilise rarement que mon PC. Et On va dire, j'ai une carte graphique intégrée au processeur que j'utilise pas parce qu'elle est tellement merdique. Et puis l'autre, on va dire, bah pour faire tourner les jeux, bah elle était un peu limite, tu ne peux pas record. Et entre guillemets, je joue en même temps, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça qu'au final, j'ai acheté une console. Et en vrai, je ne recode pas parce que du coup, streamer avec la console directement en Wi-Fi ou même en Internet, c'est largement mieux que de, de stream du PC. Et puis, comme je vous dis, maintenant, en vrai, je suis bien avec mon petit setup. Genre, la console, la webcam sur la console, plus le micro-casque euh, sur la manette. Donc, la console, tu as un setup pour le gameplay. Avec tout, après, on va pas se le cacher, la caméra, entre guillemets, ils auraient pu faire une belle intégration comme là, par exemple, tu vois, avec des trucs, les formes euh, autour de la caméra, ça fait, ça fait pas un truc brut, tu vois. Genre, t'as pas les carrés, les bords carrés, là, qui sont ultra moches. Au moins, ça fait un truc un peu plus propre et plus pro, je trouve. Après, pour le reste, euh, à la PC, pareil, quand tu fais des trucs comme ça, tu vois, genre, euh, comme je te dis, des petits trucs comme ça, des lives comme ça, qui sont pas trop gourmands. <laughs> Et euh, comment des lives enfin euh, des, des lives, euh, avec des intégrations graphiques plutôt correctes, avec la boîte, boîte d'acquisition qui fonctionne normalement, ça va. Mais quand tu fais des trucs genre qui t'en demandent trop là, mettons tu mets la console avec le jeu et tout, mais ça, ça bug tout, c'est impossible. Hein, franchement, euh, c'est même pas regardable. C'était même pas 30 FPS. Tu le tournais quoi à 25 FPS C'est encore peut-être même à 20 FPS. Donc c'est c'est moche, c'est regardable, et même pour les viewers, c'est non. C'est pour ça que je dis, franchement. Euh Ouais, je sais, bah, je sais que je sais que t'es comme ça, Jason. C'est pour ça que je te dis, mais d'un côté j'aime pas. Moi c'est comme là, hein, garde. Au final, en vrai, je te... Enfin, Pour te dire les choses, c'est ma demi-sœur, mon beau-frère qui m'ont aidé à déménager. Mais je t'avoue que c'est pareil, tu vois, ils attendent enfin, rien de spécial en retour. Mais moi je t'avoue que ça me fait un... enfin, ça met un peu mal à l'aise de. On va dire, de venir là, tu vois, et puis de rien leur donner en contrepartie, quoi. J'aime pas trop ça. Bon du coup, de toute façon... Le vrai live football, on va dire, euh, ça reste de la Ligue 1. Donc d'ailleurs, faudrait peut-être que j'aille chercher le... bah, un truc fond Ligue 1, tiens, j'ai pas mal. Pour ce soir, de toute façon, euh, bah, on se retrouve d'ici quelques heures, il est 2h du mat, donc on se retrouve probablement ce soir pour le débrief du match Lyon-Marseille. En espérant qu'on gêne l'Olympico, n'est-ce hein, pas Mais euh... bah, d'ailleurs, match à rejouer, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. On va cliquer dessus, mais je... de toute façon on doit avoir le truc euh... Ouais abandon 10 semaines euh... Ça fait 2 mois et demi, putain la vache Je me suis pas rendu compte mais c'est vrai que c'est chou quoi Ouais j'en ai 14, je pas vu mais c'est marqué dessus Ouais, je sais, je sais, mais bon, d'un côté, moi j'aime bien aussi, comme je dis, tu vois, c'est pour ça, je veux dire, j'aime pas profiter des gens, entre guillemets, euh, bah, gratuitement, quoi, j'aime bien, tu vois, faire quelque chose et tout, et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi, parce que tu vois, on a à peu près la même mentalité, genre, euh, t'aimes pas forcément, euh, <coughs> t'aimes pas forcément, entre guillemets, t'attends un retour et tout, mais d'un côté, euh, voilà, quoi. Après, euh, ça, ça fait de nous des gars bien, des gars gentils, c'est pour ça, si jamais il euh, y a des gens qui peuvent nous donner de la force pour les lives et zoos, euh, les gars, n'hésitez pas, hein. Suivez-nous, followez-nous, je sais pas si ça se dit. Pff, peu importe. Mais voilà quoi, les gars. En tout cas. Euh, comme je dis, je vais arrêter de parler parce qu'il est bientôt 2h du mat. Je pense qu'à 2h du mat. Euh, bah moi, je vais aller sur, euh, sur RL, je pense que tu veux aller sur RL aussi. Comme ça, du coup, je finis ce petit live-là. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je remette aussi pareil. Euh la vidéo de, de fin de truc graphique là en mode merci d'avoir regardé ce live et tout j'ai déjà les trucs tout prêts que j'avais fait avec Canva qui sont bien d'ailleurs je... Ben je suis con je croyais qu'il était clairement euh... comment dire presque deux heures mais non en fait il est moins le cas ben d'un côté c'est pas plus mal comme ça bah ben, comme je dis les gars moi sur Twitch je vous laisse euh, là le live qu'on va faire avec Jason je veux pas le stream parce que parce que pas envie de parler, parce que sûrement j'aurais pas grand chose à dire. On sera plutôt concentré, je pense lui comme moi, euh, à vouloir marquer des buts, à monter, que de clairement, euh, que de clairement parler. Puis je pense que j'ai déjà pas mal parlé quoi. Ça fait facilement euh, au moins pas loin d'une heure et demie que je parle. Au moins une heure vingt déjà. Donc on est pas loin d'une heure et demie quand même. Et j'avoue qu'à un moment donné, bah, bah on, a, on a parlé de plein de choses. On a parlé un peu de football. Bon finalement c'est un live qui a parlé de plein d'autres choses que, que du football, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait la beauté des lives just chatting et surtout sur Twitch. Donc du coup moi les gars je vous dis à deux, enfin à tout à l'heure, à demain soir, ou plutôt enfin, à ce soir mais dans une vingtaine d'heures je dirais, on hum, ouais ça doit être ça. Entre 19 et 20h je pense c'est dans ces trucs là. Le match qui est exactement à, normalement 21h, voilà. Donc 21, euh, 22, 23 heures. Donc euh, je pense qu'on se retrouvera entre 23 heures et 1 heure du match. Je sais pas exactement où on veut dire à quel créneau, mais bon, ça dépendra de... Ça dépendra de, de, de tout ça. Et surtout que... Parce que pareil, je dois bosser mon code pour le permis. Euh, le permis poids Lourd, je dois faire tout un tas de choses. Parce que du coup, on est le 1er février, enfin je crois. Exactement. Donc Du coup, du coup Voilou, Voilou. Enfin, moi sur ce, pour ceux qui sont encore là, qui regardent, euh, ceux qui regarderont plus tard en replay, bah moi je vous dis une bonne nuit euh, à ceux qui vont se coucher, qui sont déjà dans leur lit, et, et aux autres, bah, je vous dis bonne matinée, ou, je sais pas, bon matin, enfin peu importe. Enfin voilà, on se retrouve ce soir pour le match Lyon Marseille à, à 21h. Donc moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à tout à l'heure. C'était Switchy et merci d'avoir regardé ce live. N'hésitez pas à, pareil d'activer la petite cloche, de vous abonner, de follow, enfin de, de tout ça. Et puis c'est pareil, hein, si on peut avoir des, tips, des petits tips. Euh, je ne sais même plus comment Après ça s'appelle, les subs, les trucs comme ça, machin, c'est pareil. Hein, pour le développement de cette chaîne, on prend, on prend. Donc du coup, Jason, moi je te dis, euh, bah écoute, il est 50. Je te dis, je te rejoins pour 2h du mat sur euh, Rocket League, sur la console et tout. Et puis voilà. A euh, tout de suite, je me fais juste une petite pause boisson, une petite pause repos, histoire de relâcher tout ça, et puis bah, on se rejoint. Allez les gars, tchuss!